Oh,
C'était le principal des premiers. Salomon offrit mille holocaustes sur l'autel. Mokonzi akendaki na Gabaon pour la copie mbeka. Tout Israël ici kaka oyo. Salomon a pesa qui ba mabonza koto likolo ni dumbelo na isika eleki likolo. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Na Gabaon na Yahweh abimoni sami epai na Salomon na nzela ya ndoto. Alobi na ye, sena ngai nyoso oyolingi ngai na opesa yo. Salomon répondit: Salomon a yanoli. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Et le mot tata ngai, David mosad na yo, osala ki na ye malamu. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, la justice et la droiture de cœur envers toi. Oui, t'as mané kota pour la bosso na yo, na sembo na boyenge bene, na. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Je pour demeurer le temps, je lis le verset 9 rapidement. Apporte donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car tu pourrais juger ton peuple, ce peuple si nommé. Cette demande de Salomon prie au Seigneur. Traduis rapidement, David. De ça, au salut de mon thème, il y a marié les bonnes apostas qui se libotent à Oyo, les boyeba, malam, namabe, poète. N'aïe à côté de ça, qui se libotent à mon aile, et les guérir. Verset 15. Salomon s'éveilla et voilà les songes. Salomon revint à Jérusalem, se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des actions de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Salomon a alamu qui n'a pongi, pétalandoto. Salomon a aillé à Jérusalem, libosu, na sandoku na boyotani, ya Yahweh, périé à Boti, ma bonzana mubimba, pet matabo yamatongi. Et la semaine à Salisaki et l'amour du Bosso, il y a ça l'ignosso. Hébreux chapitre 10, verset 9. Commençons la lecture pour la même compréhension à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde et dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. N'a-t-il pas pu se pokotaka, n'a pas pu yalobi, ou l'ingaki, ni bonzate, bekate, kasu sa la kina zoto. Lévitique chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 3e, il est écrit: l'Éternel parla à Moïse de la tente d'assignation, lui parla et dit: par les enfants d'Israël, tu l'es, lorsque quelqu'un d'autre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du corps du menu bétail. Si son offrande c'était un holocauste du gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à l'écriture des apôtres. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de ton assistance. Parce que sans toi, nous sommes rien. Nous voulons que tu nous accordes le cœur pour comprendre tes voix, tes jugements, marcher dans la fidélité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On a proposé ce Christ au Christ Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à l'étude de sa parole. Colo Abakisandibola Nalitangi Yobanae. Suivez-moi rapidement, je fais un petit résumé et j'avance. Parce que je dois vous donner l'essentiel du message que Dieu m'a donné ce matin. C'est possible de faire des autres, arranger le téléphone, arrange le caméra, téléphone, parce que les autres parties ne doivent pas faire des bases ou bien. Arrange là où tu avais passé ce jour-là, parce que je veux faire un petit mouvement, que les gens qui me suivent partout dans le monde soient capables. Ok, voilà, merci bien. Nous sommes dans Gabaon, parce qu'aujourd'hui je vais expliquer plus Gabaon. Puisque nos amis à Gabaon, à côté de l'homme, à Colombie, à Mingi,
Vous avez Gabaon. Vous allez à Gabaon. De l'autre côté, il y a Jérusalem. Jérusalem. Je ne vais pas me répéter, j'avance. Qu'est-ce qui était à Jérusalem? C'était l'arche. Qu'est-ce qui était dans Gabaon? Les restes du tabernacle. Qu'est-ce qui se faisait dans Jérusalem? La louange, l'adoration, les cantiques. Qu'est-ce qui se faisait dans Gabaon? Les sacerdotes, c'est-à-dire les offrandes étaient offertes chaque jour. Quand Salomon est devenu roi, il part offrir dans Gabaon. Suivez parce que je donne les détails. À Gabaon, il y a des choses que nous voulons étudier aujourd'hui. Première des choses, il y a le culte. Ou bien les sacrifices que Salomon donne. Deuxième chose, il y a la vision. Il faut bien retenir parce que la vision de Gabaon n'est pas la vision de Jérusalem. Quand Salomon arrive à Gabaon, je ne vais pas me répéter, il a offert l'holocauste a pesé l'hypothèse au bâtiment de la Moubima 1000 cotons. Le texte dit ceci. Et combien de Bible? Quand vous vérifiez ce qui vous tenait malin dans le verset 3, on sera à côté de la jusqu'au verset 4, les partis à Gabon pour lui sacrifier car c'était le principal des colliers. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Mon côté à Kena Gabon, à Kena Gabon, à Pesa Kessika, Oyo, Yessika et Kirikolo, Kuna a Pessi Mabosa, Koto, et pas une alarme. Mais vérifiez verset 15, parce que j'ai intitulé le sujet d'aujourd'hui les deux cultes de Gabon et Jérusalem. Remarquez, vous allez voir, dans le verset 15, Salomon s'éveilla, voilà les songes, Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des actions de grâce. Salomon, à la qui caïra à Jérusalem, a pèsé ma bonza, père ma tabouille ma tombe. C'est-à-dire, dans Gabaon, il a donné seulement l'holocauste. Ah, il a pèsé là, l'hypothèse, on va pèser un homme, mais l'holocauste. L'hypothèse, c'est là qui tombe. Dans Jérusalem, Tassina Jérusalem, il a donné holocauste. Ah, on pèse pas dans l'hypothèse, un homme, action de grâce. Je dois vous dire que tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'est moindre détail cache Dieu. Dieu se cache dans les moindres détails. Je ne sais pas les gens qui ont cri à cet évangile. S'ils comprennent la richesse que Dieu leur a donné. Et je me suis toujours dit comment Dieu peut nous révéler son cœur. Là où les savants, les grands de ce monde, ne peuvent pas comprendre. Oui, Dieu nous a révélé son cœur parce que nous sommes son épouse. Oui, vous êtes serré parce que vous avez l'explication des moindres détails. Vous allez voir que c'est le poste à côté de la Bible. La répétition de la prédication, si Dieu aime un peuple, il se révèle. Consomme la matambalité en la soquisamalie, motamoko, animoni, ça va être. Je dis ce matin que vous êtes serré parce que vous écoutez les choses que le monde ne peut pas. La Bible est en train de l'eau. Vous êtes préféré parce que vous êtes à l'obligation de mettre ça en pratique parce que Dieu ne peut pas envoyer la révélation à un peuple.
peuple et cette révélation soient restées à l'extérieur. Dieu veut que la révélation soit à l'intérieur et que nous la manifestons à l'extérieur. Comment Salomon est allé à Gabaon? Parce que Gabaon, c'était l'extérieur. Il ne pouvait pas commencer à l'intérieur. Je ne veux pas me répéter si c'est que je parlais le monde. Mais c'est l'arche, c'était la tête, c'était l'intérieur. Et le tabernacle se trouvait à Gabaon, c'était l'extérieur. Mais quand Salomon va là, avant d'écouter Dieu, je dis aux gens qui le suivent partout, ils fabriquent des prophéties pour attirer des gens. Je ne suis pas contre les dons de la prophétie. Écoutez-moi bien. Dieu, avant de se révéler à Salomon, Si je m'arrête là, ça ne va pas chasser les publicités.
envoyer des révélations pour que nous restions des païens. Non, Dieu envoie ce message pour que ce message devienne notre vie. Nzamba kokotinda bisakolite tuemoni selite pomisoto tika mabaralote atinda kasamona e poyawe koma pumu kabiso. Rapidement. Alors pardon. Vous êtes. Vous allez. On fait une étude. Vous êtes. Vous allez. Vous soyez pour les noms. On fait une étude. Vous êtes. Vous soyez pour les noms. Quand Dieu est entré dans la tente. Quand nous avons continué avec sa tête. J'aime la façon Dieu enseigne. Naïna l'ingatolouine samba la bisa. Voilà comment c'est Dieu enseigne. Parole l'ingé samba sur la bisa. Nous préférons l'Holocauste. Après l'Holocauste, nous ferons l'offrande de farine. Deux. Trois. Nous ferons l'action de grâce. Je suis d'abord pour vous donner l'ordre des offrandes. Quatre. Nous ferons l'offrande de l'expiation. Cinq. Je cherche aussi cette offrande, il y en a. Il n'y a que cinq. Nous ferons l'offrande de l'expiation. Donc pour que l'homme soit complet, il dit que pour montrer la mobilité, il faut passer par l'Holocauste. Ça va venir dans notre tableau mobilité. Aïe, à Paris, aïe, à la coalition, les tableaux de la responsabilité, nous travaillons dans la mienne. Ça va être assurant. Pourquoi tu as commencé par l'Holocauste? Parce que je suis allé là-bas pour vous faire comprendre pourquoi Salomon commence par l'Holocauste ici à Gabaon et l'Holocauste action de grâce à Jérusalem. Manifester la lèpre. Et mon ici maladie. Tu es guéri. Parce que le cœur n'est
les gourous. Et à la roue. Les sommeils se couchent. La nuit. Ça dit que le sang est tombé dans le four. Et l'hypothèse, l'hypothèse, ça a été la tête. Quand il est consumé dans son entier. Le soleil réapparaît. Et ils étaient étonnés que Jésus-Christ était déjà mort. C'est pour expliquer ce que nous venons de lire. Si nous avons lu, ni en Écosse, ni en France, ni en France, ni cette chose de la il y a le locust, il y a la famille, il y a l'action de Dieu, il y a l'expiation, il y a la supermité. Dieu n'a pas voulu le locust, ni ses souffrances, ni ses tourments, ni ses croix. Jésus-Christ, c'est lui l'explication de ses souffrances. D'accord? D'accord? Tu es est devenu au long cost à la croix. Je l'amène sur l'autel.
Dieu ne peut pas accueillir l'offrande. Pourquoi je ne suis pas accueilli? C'est-à-dire que l'offrande représente l'homme qui l'attend. Cantique chapitre 8. Cantique chapitre 8. Je lis le verset 11. Jusqu'au 12e. Lisons le verset 12 pour gagner du temps. 11. Salomon avait une vigne à Baal Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. A baissé vino na baba teni. Chacun apportait pour son fruit mon 1000 sicles d'argent. Mon copain mon sous se battait comme malcol en bouma. Ma vigne qui est à moi, je la garde. Vino ouais, c'est lui qui l'a gardé. Alors Salomon combien? Attends Salomon combien? Na yo Salomon. Attends Salomon combien? 1000 sicles, c'est pour Salomon. Pour ceux qui gardent le fruit. Et 200 pour la bateau parce que je crois que vous avez enseigné ça. Nazon dit maintenant la discussion. 1000 sicles. Les chiffres 1000. Ici, Silamite chante. Ah, Silamite, ces chiffres identifiés Salomon. Parce qu'il dit 200. C'est pour les gardiens. Ils ont pour la babate. Parce que 200, c'est un cinquième de mille. Donc, quand vous prenez les gardiens, un gardien. Ça va vous donner un Salomon. Et l'Église va couper sa vie Salomon à mon nom. L'apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, ce sont les gardiens de ville qui vont faire un seul Christ qui est le Salomon. On va te dire, ni Thomas, mon lagissi, Baronion surtout, bon ça, Salomon à mon nom, les amis. Pour la totalité de mille, vous m'attendez. Et l'Église va mon bimba, les amis, contre mon ami. C'est tout le monde qui comprend ça. Va te dire, c'est Salomon. Et l'Église va contre les amis Salomon. Il faut retenir ça parce que votre évangile donne les détails. Et c'est aussi Salomon,
dans la vie. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père.
ça n'a rien. Je sais que beaucoup de gens que je prêchais, je suis partout dans le monde, je n'ai pas trouvé la grâce d'avoir beaucoup d'enfants comme ça. Ndai, naïvi qui va te faire des la nanaï, c'est pas mon nom, c'est mon nom. Mais n'a mon nom, mon toit, ça va quoi, ça va. Ndai, j'en prie. Ndai, mon bâtiment, n'a mon nom, mon toit, ça va. Nous avons nous, nous avons nous, nous avons nous, je n'ai pas trouvé grâce d'avoir des enfants comme Salomon. Salomon, pasteur, en tout cas, vous supportez la rater à même 15 minutes parce qu'il devait se servir. Je le dis ceci. La libre parole. Salomon. Salomon. Senga. Demande. Zambé. Dieu. Autant pour la vie, ma tata, la David, est-ce que ça va tellement tu as marché avec mon père David. Est-ce qu'on a cité le nom de David? Le père. Pourquoi il n'y a pas de David? Allez, il y a un hasard et ça David. Amen. Bon. Là, ça nous dit, moi, si à ma carte, vous savez, vous n'avez pas besoin, mais vous n'avez pas besoin, mais ceux qui n'ont pas mis mon conserve, n'a été. Nous avons besoin de s'enlever la tête. Mais nous avons appelé, on a nous, c'est là, il y a mon tournoi, nous avons acquis ma lame, mon bonsoir, à l'opération. Amen. Je veux chier les genoux, demander au Seigneur de lui donner les yeux de votre cœur.
famille, il va céder parce que son cœur est éloigné de Dieu. Vous m'entendez? Amen. Le cœur. Mon témoin. Je n'ai pas terminé parce que ici Salomon. Là, la succité pour alors Salomon voulait que son cœur souffre. Mon témoin est fondé. À comprendre Dieu. Pour ce soir, ensemble. Mais bien aimé. Valide, ami. Cette prière est très importante. Le sang pour les amours, tu l'as mis. Voilà pourquoi je m'arrête ici pour dire que. Il monte à Jérusalem. Ça, c'est le deuxième culte. Oui, mais il y a le Saint-Bamir. Je prierai la Saint-Bamir. C'est-à-dire, les cultes que nous faisons ici, sans mon dos à la main, on ne doit pas se limiter ici. Mais pour ce cas, il faut aller, il faut aller. Quand j'adore, l'adoration ne doit pas s'arrêter dans la bouche. Quand vous parlez, ce qui est là, il faut entrer dans la profondeur. J'aime voir les gens. Venez dans l'église avec leur propre position. On aide. Mais quand on entre dans la profondeur, il rencontre Dieu. Son cœur est transformé. Dieu doit transformer le cœur de l'homme parce que le cœur de l'homme est rebelle. Le cœur de l'homme est ingrat. Je vous ai dit le vendredi, si Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, non parce que l'homme a posé tel acte, mais Dieu parce que le cœur de l'homme est tourné toujours vers le mal. Je vous dis ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, aussi longtemps que le cœur de l'homme ne sera pas brisé, il ne comprendra jamais Dieu dans ses voies. On ne peut pas comprendre comment est-ce que Dieu agit, comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il marche, sur le cœur est rempli de soucis de ce monde. Je vous dis, quand nous prions, l'adoration, le culte n'est pas seulement extérieur. Il faut aussi aller dans la profondeur, tu vas découvrir Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tu peux aller avec Dieu dans la profondeur, sortir de l'extérieur. Maman qui t'a parlé, on va te dire à l'imandate, dans mon thème. On va te dire à l'imandate, dans mon thème. On sait que, dans mon thème, dans mon thème. Dans mon thème, dans mon thème, dans mon thème, dans mon thème. Parce que si le cœur est délivré, je ne peux pas donner. Je peux supporter l'injustice. Je vous ai dit la fois dernière, et dans le mariage, mon agent m'a dit de compléter. Oui, il n'y a pas de les arrêter. Sauf mon impact, tu vas prendre le temps de la maman, c'est que mon père a beaucoup à me quitter ici. Parce que les arrêts de mon côté, à bas de moi, c'est à vos côtés. À ça, tes pères, vous avez mon quitté. Mon père, il fait à vos côtés, mon père, ça m'a mon quitté. Nous avons ça, c'est pour papa, le baramine, à bas de moi, ça m'a raté. Moi, ça m'a raté, mon père, ça m'a raté. Nous avons un coup de Sarah, dans tout mon pot, qui est bon à compléter mon niveau et à compléter mon niveau. Mais c'est au bout de la mon roi a ma haine, 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 mon roi a c'est-à-dire que si ton cœur n'est pas préparé, ce qui m'a démarré pour qu'il s'invite, il ne sera pas pardonné. Il ne saura pas vivre selon la volonté. Nous achetons, c'est parce que le cœur est encore éloigné. Je vous ai dit quelque chose. Hein? Alors, quel homme vit pas sur la terre. Il n'y a pas une prière qui va chasser les difficultés. Et les incompréhensions dans le mariage. Le problème est que nous ne faisons pas parce que David a dit que quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. Pourquoi Dieu lui a permis d'entrer dans la vallée de l'ombre de la mort? C'est pour affronter les épreuves. Dieu nous a laissé sur la terre pour affronter les épreuves, les difficultés, les incompréhensions. Mais parce qu'il est avec nous, nous allons sortir victorieux. Je ne vais pas perdre la compréhension, ça viendra, je vais l'affronter. Je ne vais pas perdre la peur, ni des doutes, ni des difficultés, ni de la mort. Devant une seconde avant la mort, j'ouvrirai mes yeux, je dirai à la mort, il y a quelqu'un qui a vécu la mort. Même si je ferme mes yeux, je le verrai. Je veux que les gens comprennent que devant les épreuves et les difficultés, il y a quelqu'un qui a vécu pour que nous soyons avec toi. Levez-vous, s'il vous plaît, donnez-le à vos bénédictions. Merci, pasteur. Levez-vous s'il vous plaît. Tu peux prier. On peut poster là. Si, mon papa, Seigneur.
Mon thème en abus, c'est le bicane de la voix, c'est le tristesse.